fidèle à la blouse blanche du docteur. Derek Shepherd, ou docteur. Mamour pour ses admirateurs, pendant plus d'une décennie, Patrick Dempsey a abandonné le personnel du Seattle Grass Hospital pour se consacrer à d'autres projets, professionnels mais aussi personnels, après des années de bons et loyaux services dans Grey's Anatomy. L'acteur de 57 ans a multiplié les rôles au cinéma. En 2016, le comédien a donné la réplique à Renée Zellweger et Colin Firth, dans le film Bridget Jones Baby, diffusé ce jeudi 9 février sur M6. En 2022, 14 ans après le premier volet de Il était une fois, Patrick Dempsey a de nouveau poussé la chansonnette dans ce conte de fées des temps modernes. Sa première passion restera néanmoins les séries. France, les téléspectateurs de TF1 ont eu la joie de retrouver Patrick Dempsey en tête d'affiche de la mini-série La vérité sur l'affaire Harry Quebert, en 2018. Le comédien a aussi pu se glisser dans la peau d'un PDG de grande banque, dans la fiction italienne baptisée Devils, diffusée sur OCS dès le 18 avril 2020. Impossible pour lui d'oublier le docteur. Mamour, dont il est devenu indissociable. 5 ans après son départ de Grey's Anatomy, Patrick Dempsey a annoncé qu'il ferait un retour expressé, inattendu dans la 17e saison du show de Shonda Rhimes, centré autour de la pandémie de coronavirus. L'occasion pour lui de renouer avec son ex-complice, Hélène Pompeo alias Meredith Grey. On ne s'était pas parlé au vu depuis un bout de temps et c'était une excellente occasion de rattraper le temps perdu et de dire, que pouvons-nous faire pour que les gens se sentent mieux, pour leur donner un peu de réconfort en cette période d'incertitude? Et c'est ainsi que tout a commencé, glissait-il au site américain Deadline. Tant de projets qui ne l'empêchent cependant pas de se consacrer à son autre passion. Après la casquette d'acteur et de producteur, Patrick Dempsey s'est offert celle de pilote de course automobile à la tête de sa propre équipe, Dempsey Racing, avec son partenaire Joe Foster. Carrière ayant commencé avec succès en 2009 avec une participation aux 24 heures du Mans, rendez-vous auquel il reste fidèle, au volant de la Ferrari F430 GTC de l'équipe du Seattle Advanced Engineering. Le tout pour la bonne cause, le principal concerné récoltait alors des fonds pour le Seattle Children's Hospital et l'association française Mécénat Chirurgie Cardiaque, Enfants du Monde. Sa dernière course remonte à l'année 2015, lorsqu'il participait au championnat du monde d'endurance FIA. A noter que Patrick Dempsey est aussi un homme de famille. S'il a eu pour habitude de faire chavirer les cœurs, il n'y a qu'une personne qui fait battre le sien. À savoir, son épouse, la maquilleuse Gillian Fink. Un deuxième mariage, l'acteur avait d'abord dit oui à Rochelle Parker, de 26 ans son aînée, qui dure depuis le 31 juillet 1999. Mais les tourtereaux ont eu droit à leur lot de crises. En 2016, et comme le rapportait le tabloïd britannique The Sun, Patrick Dempsey faisait tout pour sauver son union à la suite d'une procédure de divorce lancée par sa belle plusieurs mois auparavant. Une épreuve qui n'a finalement pas eu raison de leur amour. Les époux s'affichent désormais plus soudés que jamais aux côtés de leurs 3 enfants. Tallulah, 18 ans, Sullivan et Darby, 13 ans, et de leurs 2 chiens. Crédit photo, Bruno Bébert Best Images.